Et je suis heureux de vous retrouver pour faire une réplique de cette magnifique ruelle. Mais où va-t-on la faire? Eh bien, ici. Comme ça, on met un accès pour accéder ici. Et là, on peut refaire une ruelle encore. Stylé. Là, tac. La ruelle est rejointe ici. Et on aura tout un réseau de petites ruelles assez sympas. Donc, on est parti. Alors, première chose à faire, on va poser le sol. Je crois que de tous les news... Ouais, moi aussi, franchement, c'est News Vegas où je connais l'univers, etc. Celui-là de Fallout, je connais rien là-dedans. La moitié des mecs, je sais pas qui c'est, alors que News Vegas, je l'ai fait, refait. Ouais, bah Fallout demain. Hop. Vous qui êtes sur YouTube, en train de regarder la vidéo, venez sur le stream la prochaine fois. On se marre bien, c'est très agréable de pouvoir discuter avec vous en direct. N'hésitez pas à me rejoindre. Off-top. La colonie va devenir une ville. Bah, c'est déjà assez une ville. Tu connais une colonie qui a un hôpital, un lieu de... qui a une arène, qui a un grand bar... Liberté! Voilà, je t'ai répondu, Tof Tof. Alors là, par contre, ça va rentrer dans le bâtiment. Est-ce grave? Il y a une chambre ici. Ah, il y a deux chambres. On réglera le problème plus tard. Tant pis. Hey, Alien Game, eh bien, heureux de... Tu m'es rencontré grâce à Fallout 4. De toute façon, à part Fortnite et Fallout 4, les autres... Je vois pas comment ils m'auraient connu. Ici, on va... Je sais pas ce qu'on va faire, on va faire une foule. On va mettre un escalier, on va mettre des chiens. Ah, on en a de l'autre côté, c'est ça. Ça va pas le faire si on en... On mettra un truc là-dedans plus tard. Truc sympa. Alors de l'autre côté, par contre, comment j'ai fait les escaliers? En tout cas, content de te rencontrer, Alien Game. Ah, rampe d'échafaudage. Purée. J'ai mis quoi? J'ai mis ça, du coup. Rampe d'échafaudage. J'ai aucune idée... Ah, ok. Oh là là, je savais même plus que ça existait, ça. C'est beau de redécouvrir le jeu. Quand tu choisis la milice, tu détruis l'institut ou pas? J'en ai aucune idée. Mais quelqu'un pourra te répondre sur mon petit. Essayer de faire un accès au milieu. Bientôt, je vais construire sur Azordion. Alors là, on va pouvoir réellement faire une ville avec des PNJ et tout. Je suis impatient de commencer ça. Encore un peu de taf quand même. Mais le moteur de construction est fini. Oui, je joue sur PC. Ah, les rampes, ça fait tellement dégueulasse, faut que je mette autre chose. C'était un génie à l'époque. On va mettre ça.
Ah, ce qui est cool, c'est qu'on va pas en mettre sur tout le long et ça va me sauver un peu. Ça peut le faire, regardez. Hop. C'est juste une question de pixels. Richie, je t'ai répondu. Oui. Attendez que la réponse arrive. Déjà, je vous réponds pas instantanément. Et en plus, je ne vous lis pas instantanément. Laissez-moi un peu de répit. Et en plus, je construis. Laissez-moi tranquille. Attendez, elle se snap pas. Non, c'est bon, elle se snap pas automatiquement. Rajouter les trucs en métal. 8. 8. Hey, Night Shadow. Comment vas-tu? Bienvenue sur ce stream. C'est la première fois que je te vois. J'hésite quand même à dire ça. Il me semble avoir déjà vu ton pseudo. Mais je vais partir du principe que c'est la première fois que l'on te voit sur ce stream. Et donc, bienvenue, bienvenue. N'hésite pas à discuter avec tout le monde. Tu es un frère. Nous aimons tout le monde, nous aimons l'humanité ici, et surtout les miliciens. Et maintenant, dans notre secte, il faut que j'arrête de dire ça, on va se taper un procès, ou... enfin un procès, on va avoir des gros problèmes, on va se faire tous arrêter. Hey, Pipey! Papy Seb 47, comment vas-tu? Et je crois que c'est la première fois que je te vois, donc bienvenue, bienvenue. La même chose que pour Night, tu es le bienvenu. N'hésite pas à discuter. Ici on discute, on se fait plaisir. Et on est tous à l'abri, dans l'abri. Je vais très bien. Azordion a beaucoup avancé en fait. Quand Azordion avance, je vais bien. Quand Azordion n'avance pas, je ne vais pas bien. Azordion est mon second cœur. Je deviens fou. Voilà, on peut monter ici, c'est parfait. Et là, ce que j'ai prévu, c'est de rajouter un petit toit. Et en fait, de faire un espèce de truc de clochard. J'adore, moi, les trucs pour clochard. Ah, non, mais le moine... Non. Je voulais juste que tu le mettes du bon côté. Salut VDX. Alors, je suis en retard sur le chat, je vous préviens maintenant. Salut VDX, comment vas-tu? Bienvenue à toi. C'est la première fois, il me semble que je te vois. Bienvenue, bienvenue, n'hésite pas à discuter. Ici, tout le monde t'aimera comme tu es, ne change pas. N'hésite pas à discuter, tu es à l'abri dans notre abri, c'est parfait. En plus, plus on est de fous, plus... Hey, Gelano Wars, comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue dans l'abri, mets-toi à l'abri, mets-toi à l'aise. Tu peux te poser, aller te chercher une boisson, juste de l'eau, si tu es plus haut, viens comme tu es, et profite de ce moment de répit dans ta vie. Ah, je commence plus à avoir plus de voix. J'arrive pas à faire mon truc de clochard. Papy Seb, je t'ai déjà fait le petit discours, donc bienvenue de nouveau. Tu es maintenant un vrai frère de sang, un frère d'armes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bon, je crois qu'on n'arrivera pas à faire notre truc de clodo. J'aime tellement. Mais je vois pas du tout, là, ça fait... quelques minutes que je me bats.
Oui, je live sur Twitch. Nous sommes sur Twitch et YouTube en même temps. C'est ça qui est beau. De rien pour l'accueil. Ça me fait plaisir. Par contre, comment mettre ce toit? On verra ça plus tard. Je le ferai hors vidéo, comme ça, je vous ennuie pas avec ça. Bah oui, mets-toi à l'abri dans l'abri. Mets-toi à l'abri dans l'abri. C'est pour ça que j'ai marqué ça. Parce que ça fait référence à Fallout 4 et il y a la petite image, j'ai trouvé ça parfait. Oui, ici, c'est pas prise de tête, on est comme on est. On n'est pas là pour faire du spectacle, etc. Pas de fausse personnalité ou je ne sais pas trop quoi. On est franc, si on a quelque chose à dire, on le dit. Alors, comment j'ai fait de l'autre côté, ma petite... Non, mais l'autre, elle vole toujours. Ça m'inquiète par contre. On a utilisé ces trucs-là. Il me semblait bien ne pas avoir utilisé de trucs de canapé rouge. Si vous regardez dans la description sur le stream YouTube, vous avez le lien de Twitch. Et idem pour Twitch, vous avez le lien YouTube. Hey, Molkyo, bonsoir, bienvenue à toi. Mets-toi à l'abri dans notre abri. Et maintenant avec nous, profite bien, installe-toi, prends-toi un verre d'eau ou autre chose. Et le bienvenu. Alors ici, à poser l'éclairage, après ça me mettra déjà des lumières. Ça mettra aussi des bornes, tout ça. En mettre ici. J'ai joué à tous les Fallout, le 1, le 2, Fallout Tactique, il ne faut pas l'oublier, et le... moins connu, F-Online. Renseignez-vous sur F-Online, c'était... Ah, quelle bonne époque, ma jeunesse. Envolée. Envolée. Avec ce jeu. Ah là là, non mais vraiment... le jeu où j'ai ressenti le plus de liberté dans ma vie. C'est en fait un Fallout, mais en ligne. Voilà. Mais style... Fallout 1, Fallout 2, donc vous êtes en vue du dessus, mais c'est en ligne. Il n'y a que des vrais joueurs, etc. C'était génial. Mais aujourd'hui, il n'y a plus grand monde. Alors, je vous rattrape. Merci Knight pour ce compliment. Ok, Baba Trompette, donc bienvenue à toi aussi. Il me semblait bien que c'était toi. Bon, toi, tu es déjà à l'abri, dans notre abri. Ça, c'est beau. Le mec, il avait déjà le ticket, il a tout prévu. Il a senti que la guerre arrivait, hop, il s'est mis à l'abri. Merci pour le mode Place Everywhere. Ça, c'est cool. Ouais, franchement, ce mode, si t'aimes la construction, il va te refaire la vie, quoi, sur Fallout. Si je devais garder qu'un mode, ça serait celui-là. "64 lits pour 16 personnes. 19. Oui, bah nous, voilà, il y a plein de gens qui viennent se mettre à l'abri, donc on prévoit plein de lits, on sait jamais. Oui, j'ai aussi joué donc Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout Shelter, et on est à Fallout 4, je crois. N'oublie aucun. Alors, j'aime pas trop les liens électriques qu'il y a entre toutes les lampes. Je trouve ça très moche en l'air. J'ai essayé de corriger un peu ça. Comment tu passes que sur YouTube détend, toi? Je ne comprends pas. Pourquoi, Tof Tof? J'ai pas suivi. Ok, Spartan Game. Merci Spartan Game, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de faire des vidéos pour des gens.
Enfin, des gens. Je déteste ce terme en plus et je commence à l'utiliser. Honte à moi, honte à moi. Je préfère le terme camarade ou milicien, compagnon, des gens. Ça ne veut rien dire, des gens. Ça met tellement de distance entre les personnes, je déteste ça. Ne me dites jamais ça durant mon live. Alors, Night Shadow, en fait, on crée une ville ici. C'est... Sinon, je live sur pas mal d'autres jeux, mais moi, je construis sur les jeux. Je joue pas, je construis. Ah, la lumière ici sera mieux. Pff, on va la retirer, celle-là. Pas du tout. Hey, King Thread, bienvenue, bienvenue. Mets-toi à l'abri dans notre abri. N'hésite pas à discuter. On est tous des frères ici. Il n'y a pas de gens. Nous sommes tous amis. Unis, frères d'armes, miliciens. Il n'y a que ça qui compte. Zertox qui me cherche. Mon Fallout préféré, F-Online. Le moins connu, bien sûr. Coucou, bande de survivants. Hey, Azura, bienvenue à toi, survivant. Prends un Nuka-Cola. Et découvre notre joyeuse petite communauté. Alors, ici, on fera la rue plus tard, on va finir. Alors, ici, on attaque les meubles, etc. Donc là... J'aimerais bien poser mon petit toit pour faire l'abri, mais ça va être chaud. Donc là, tout de suite, ici, petit coin avec boule à facettes au-dessus, petit ventilo et canapé. Hey, Tof Tof, désolé. Ah, la famille. Moi, ma famille, c'est la milice. Elle est vachement belle, ta colonie. Merci, merci. Je peux la regarder vite fait. Voilà. Et ce n'est qu'un début. Ah oui, non, mais Fallout New Vegas, il y a énormément d'histoires derrière, c'est super intéressant. Moi, c'est un des Fallout qui me reste dans le cœur, vraiment. Après F-Online, je dirais Fallout New Vegas. J'aimerais bien refaire Fallout Tactique, parce que j'ai fait que le début, ça m'avait saoulé, mais il y avait des bons mécanismes de combat de tour par tour. Ah non, on avait dit pas cela. J'hésite, j'hésite. Le choix est immonde. Je pense que eux seront beaucoup plus adaptés pour eux. Ouais, comme ça. Bah les pillards, entre la Légion ou la Confrérie de l'Acier, etc. Je préfère être un pillard, honnêtement. C'est que beaucoup là vont faire... Oh ! Qu'a-t-il dit ? Comment a-t-il osé ? Eh oui. Au moins les pillards, ils font ce qu'ils veulent et... Kobe, je m'occupe de la défense. Ah, j'aimerais tellement que vous veniez là. M'aider à construire cette base. Ce serait tellement fun. On se marrait tellement. Ceci est impossible. Sur Azordian. Toujours en même temps. Oui, je fais de la pub pour mon jeu. Sur Azordian, on fera un truc. YouTube.
as mis quoi comme mode? N'hésite pas. 10 secondes, je reboot mon cerveau. Alors, pour les modes, va sur... Attendez, là, ça devient compliqué parce qu'en plus, j'ai envie de me marrer. Je suis en train de placer des trucs. Ça devient chaud. Ça devient très chaud. Je suis en retard à mort sur la conversation. Donc, pour voir mes modes, tu vas sur ma chaîne. Et tu regardes... Tu regardes les tutos sur Fallout 4. Tiens... Une vidéo qui s'appelle « Mode indispensable pour la construction ». Donc là, tu as les modes pour la construction. Et si tu veux des tenues de miliciens classe, comme la mienne, regarde-moi cet homme. Elle est vraiment belle en plus. Voilà, si tu veux des tenues de miliciens comme celle-ci, etc., tu vas dans « Mode indispensable ». T'en as des très belles. Et j'ai pas encore équipé mes miliciens avec les nouvelles tenues, ça ne serait tardé. Et elles sont vraiment très très belles. Alors, je vais voir vite fait. Merci IzerTox78. J'essaye d'être heureux. Non, j'ai pas mis l'Holoband. Un Monopoly Fallout. Mais ça doit être génial. Enfin, j'aime pas le Monopoly, je préfère les jeux comme Citadel, Seven Wonders, tout ça. Mais sympa. C'est un truc à collectionner, ça, en fait. Bah, pour faire une ville, tu te lâches, tu construis, et puis... Normalement, ça devrait donner un truc au bout d'un moment. Et n'hésite pas, des fois, à tout péter. Moi, il y a des vidéos où j'ai tout cassé, les jeux... Mes abonnés, ils ont fait, mais... Pourquoi as-tu fait ça? On aimait cette construction. Bah, moi... paraissait moyenne, donc j'ai tout pété. Eux, ils étaient dégoûtés. Mais bon, des fois, pour faire un truc encore meilleur, il faut savoir déconstruire. Ça, c'est triste. Institut ou confrérie, ni l'un des l'autre. Ni l'un, ni l'autre. Hey, Joris Montboise, oui, ça fait longtemps, comment vas-tu? Merci et bonne nuit à tous. Bonne nuit, Titalus. À demain, peut-être, pour du Fallout. Pille, dors bien. Bois ton Tinuka Cola. Ne prends pas de jet avant d'aller te coucher. Et à bientôt. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, je m'adresse pas au stream, mais à ceux qui regarderont la vidéo dans le futur, etc. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous fais des gros bisous et vous dis... Liberté !